Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Encore une fois, parce qu'on n'arrive pas à en démordre, on se retrouve sur le jeu The Thing, mais cette fois-ci, on va tenter de vous expliquer les subtilités, et il y en a beaucoup, de la différence qu'il y a entre le mode de jeu coopératif, donc dont on vous a déjà fait la démo, et le mode multijoueur. Donc il s'agit ici juste de vous expliquer les règles, parce qu'en fait, ce jeu est super bien foutu, mais le véritable intérêt, c'est de jouer avec des vrais joueurs. Et trouver des vrais joueurs qui maîtrisent les règles de jeu, c'est pas forcément gagné. En tout cas, nous, on va tenter de vous expliquer la mécanique de jeu. On va repasser au crible l'utilité des lieux qui ont été modifiés, parce que bon, on l'a déjà fait sur le mode coop. Et ensuite, on va vous expliquer la mécanique du jeu, de la mise en place aux différentes phases. Voilà. Donc, on va commencer par ce qui change. Tout d'abord, la météo. Alors la seule chose qui change pour la météo, c'est que vous prenez cette carte-là et vous la mettez de ce côté, c'est-à-dire pour le mode de jeu multijoueur, c'est-à-dire jusqu'à 7 à 8 joueurs, puisque nous on a prévu de vous faire une démo, enfin pas la démo, on a prévu de vous montrer les règles s'il y a 8 joueurs, hein, chose qui selon moi est certainement improbable. Donc ici nous on va mettre 7 à 8 joueurs parce qu'on a mis 8 joueurs en multijoueur. Mais si vous allez jusqu'à 6 joueurs, c'est bien cette face-là qu'il faut prendre. Hein. Que ce soit en coop ou en multi, hein, puisque vous voyez que ça ne fait aucune différence. Donc, on va positionner cette carte-là ici. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, petite erreur, entre guillemets, que nous, on a fait en mode coop, c'est que, malgré le fait qu'on ait utilisé Bennings pour jeter deux fois le dé météo dans la station météo, histoire d'avoir cet avantage au début du tour suivant, on n'a pas nous relancé le dé météo, chose qu'on peut faire. C'est-à-dire que vous pouvez arriver au début du tour suivant, rejeter le dé météo et choisir, soit si vous avez eu un résultat meilleur ce coup-ci, de le garder, soit de reprendre le résultat que vous aviez eu au tour d'avant. Voilà. Les chiens, alors, il n'y a rien qui change pour dispatcher les chiens à partir, bien entendu, du début du second round. La chose qui vient s'ajouter avec l'histoire des chiens, c'est la disposition dans une des salles du jeton leader. Parce que voilà, il y a un jeton leader. Donc en fait, quand on place les chiens, il faut faire comme pour le mode coop, c'est-à-dire on tire des lieux. Et une fois qu'on a positionné les chiens dans les lieux respectifs, on tire un autre lieu dans lequel on va venir positionner le jeton leader. Voilà. Après, libre à chacun pendant les autres phases d'aller récupérer le jeton pour devenir le leader du jeu. C'est ça en fait l'idée. Déjà, c'est un système que j'aime bien. Parce que ça peut porter à confusion et puis ça peut aussi faire que les joueurs peuvent peut-être se poser certaines questions. En tout cas, bref, si dans la foulée vous tirez la carte chenille, la fameuse carte chenille, donc s'il y a encore des chiens dedans, donc déjà ceux-ci sont libérés puisqu'on va retirer encore des cartes au lieu pour disperser les chiens qui étaient encore dans le chenille, mais du coup vous allez retarder la disposition du jeton leader qui vient toujours juste après les chiens. Une fois que vous avez positionné les 4 chiens maximum, hein, s'il y a eu la carte chenille ou pas d'ailleurs, vous faites la même manip pour positionner le jeton leader. A savoir, petite info, que celui qui commence comme leader dans le jeu au tout début de la partie est celui qui a vu The Thing pour la dernière fois. Il n'y a absolument rien qui change en ce qui concerne l'armurerie, si ce n'est que vous pouvez constater qu'il y a deux recharges pour le lance-flammes, parce que ici, à 8 joueurs, on a deux lance-flammes dans la pioche. A savoir que dans les règles, il y a des parties qui sont très très bien faites, qui sont des récapitulatifs de ce que vous pouvez mettre dans votre paquet en fonction du nombre de joueurs. Mais il y a également un récapitulatif de, pour chaque objet et chaque arme, de la manière de vous en servir, quand et après quelle prérogative. Donc ça, c'est très important quand vous jouez, de se référer à ça pour pas faire de bêtises, hein, et pour pas oublier certaines choses. Donc nous, on vous donnera pas le détail ici, mais sachez que vous pouvez utiliser ce guide, tout comme le récapitulatif qui existe également pour les pièces.
Alors, pour rappel, les pièces ont un code couleur. Les pièces rouges donc sont inaccessibles et servent de défausse. Sauf que ici, dans le mode multijoueur, on ne défaussera pas les poches de sang. Par contre, on pourra défausser les tokens ici comme on le fait en coop. Et il y a cette salle rouge juste à côté du dortoir qui va, elle, servir de défausse aux cartes action, puisque dans le mode multijoueur, on n'utilise plus les dés, on utilise les cartes. Voilà. Donc, puisqu'on en était au code couleur, hein, bien entendu, les pièces vertes sont accessibles aux chiens, aux aliens et à 3 joueurs maximum. Voilà. Les pièces bleues sont safe et peuvent accueillir un nombre illimité de joueurs. D'accord ? Donc, la salle de repos, il y a juste... on fait comme on fait en coop, c'est-à-dire des échanges, on fait des tests. Mais il y a aussi les accusations, ce dont on parlera tout à l'heure. Et le dortoir, qui est aussi une salle bleue safe, peut accueillir donc justement un nombre illimité de joueurs. Mais par contre, les tests s'effectuent ici. Hein. Et vous voyez que, contrairement au mode coop, on ne modifiera pas un dé. Ici, on jettera sa main, voilà, dans la défausse, et on choisira les cartes qu'on prend au nombre de 3, puisque votre main ne peut pas accueillir plus de 3 cartes. Vous choisirez vos 3 cartes, c'est-à-dire, voilà, en gros, vous avez le choix des armes pour la suite. Mais c'est une manœuvre que vous ne pouvez effectuer que lorsque vous êtes dans le dortoir. En ce qui concerne le générateur et la chaufferie, il n'y a rien qui change, excepté le fait que si le générateur est en panne, le joueur qui est censé donner sa carte action au leader, on va vous expliquer ça après le fonctionnement, hein, en fait ne peut plus la choisir. Il mélange sa main en fait et il demande à son joueur de gauche, puisque ça se joue dans le sens horaire, de tirer une carte au hasard qu'il mettra sur la pioche à l'aveugle. Voilà. Dans la cuisine, il n'y a rien qui change, ça fonctionne toujours de la même manière. Idem pour le laboratoire, sauf que quand les personnages qui sont dans le laboratoire vont piocher des poches de sang, ils vont les cacher. Voilà. Et les garder sur leur profil, car ça peut faire partie du bluff du jeu. Rien ne change pour la salle radio, excepté que, comme vous pouvez le constater, vu qu'on a eu à 8 joueurs, on a 8 dégâts. Voilà. Donc il faut toujours réparer et ensuite faire un appel SOS pour faire venir l'hélicoptère. L'hélicoptère sur la barre de progression vient de la même manière. Par contre, ce qui varie, c'est la procédure d'évacuation dont on vous parlera à la fin de cette vidéo. Idem pour le hangar, rien ne change. On a toujours des cartes objets. Ici, bien entendu, vu qu'on a 8 joueurs, on a le maximum. Idem pour chaque carte objet, on va pas vous faire le détail. Mais, c'est très très bien expliqué dans le livret de règles, la façon dont on utilise, quand et comment. Voilà. Pour la remise et l'héliport, idem, il n'y a rien qui change, sauf que, comme vous pouvez le constater, on a également des dégâts supplémentaires puisqu'il y a plus de joueurs. Bien sûr, en ce qui concerne les barils, vu que nous sommes 8 joueurs, il y a le maximum. Pareil, pour la procédure d'évacuation, on vous donnera des détails à la fin de cette vidéo. Nous voici sur la piste de suspicion, alors là tout change. Déjà, il n'y a pas de menace. Hein. La menace alien n'est pas présente. Ici, on a une piste de suspicion qui grimpe en fonction du nombre de joueurs que vous êtes. C'est-à-dire que si vous êtes 4 joueurs en multi, vous vous arrêtez ici. Cette case-là représente le maximum de la piste de suspicion. Il faut savoir que quand vous êtes au maximum de la piste de suspicion, quel que soit le nombre de joueurs, puisque ça sera en rouge forcément, en fait, vous êtes obligé de jouer vos cartes lorsque vous donnez vos cartes action au leader. Vous êtes obligé de montrer vos cartes à tout le monde. Voilà. Donc là, 4 joueurs, 5, 6, 7, 8. Là, vu qu'il y a 8 joueurs, la piste de suspicion, le maximum sera ici. Vous voyez que comme pour le mode coop, on part sur la case jaune, la case verte étant safe, comme pour le mode coopération également. Si vous avez vu mes autres vidéos concernant ce fabuleux jeu The Thing, vous avez constaté que j'avais les figurines. Or ici, pour vous montrer un petit peu le matériel de base, celui que vous avez quand vous achetez la boîte à 50 balles, je le rappelle, vous avez des stand-up avec des socles de couleurs. Ça donne pas trop mal. En fait, la figurine c'est vraiment du bonus, hein, de l'esthétique. Mais vous pouvez très bien jouer à ce jeu passionnant avec le matériel de base sans problème. Et d'ailleurs, idem pour les aliens, vous avez des stuns qui sont fournis. Les illustrations sont jolies, donc ça gâte rien. Force 4, je rappelle. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le leader est désigné par le fait qu'il a vu The Thing le plus récemment par rapport aux autres. Voilà. Sinon, on tire au sort.
Le choix des personnages, même chose. Soit on se met d'accord, soit on tire au hasard dans les cartes. Ok ? Puisqu'on parle des personnages, sachez que pour 6 personnages sur 8, la capacité ne change pas. La capacité change pour Gary et Norris, puisque de base, eux, ils ont des capacités en lien avec les jetés de dés. Donc, par exemple, Gary. Donc, Gary ne tient plus compte hein, de cette particularité-là. Lui, pour les 4 à 8 joueurs, à la phase 4-1, donc après avoir pioché vos cartes actions, vous pouvez défausser une carte action pour en piocher une nouvelle. Voilà, ce qui correspond un petit peu au fait de pouvoir relancer un dé. Donc ça, c'est pour Gary et pour Norris, bien entendu, qui a à peu près la même chose, lui, mais x3. Donc de 1 à 3 joueurs, on le supprime aussi. Par contre, de 4 à 8, vous possédez tout le temps les effets d'une lampe torche. Alors que là, effectivement, il avait la possibilité, enfin, il avait une capacité en lien avec le jeté de dés. C'est juste que ses résultats à lui se cumulaient avec la lampe torche, mais lui, par contre, il a le délire de la lampe torche, et franchement, c'est vrai que ça peut être un très très bon atout, mais c'est moins intéressant que s'il avait pu rechoisir des cartes. Mais effectivement, avec le mode multijoueur, vu qu'on peut le faire en allant au dortoir maintenant, n'importe quel joueur peut le faire, cette capacité est plutôt la bienvenue, je trouve. Donc, le leader a ce petit carton, hein, comme on avait en coop, qui récapitule les phases de jeu. Voilà. D'accord ? Donc, les phases sont les suivantes. La météo, tout comme la coop. La maintenance et l'appel de l'hélicoptère, tout comme pour la coop. Ensuite, par contre, il n'y a pas les déplacements de personnages. Il y a directement l'alien s'il est dévoilé, d'accord ? Et ensuite, on a les actions personnages. Alors, il faut savoir qu'ici, c'est vraiment super light, parce qu'en fait, les actions personnages, elles sont divisées en 8 phases. Et il faut vraiment maîtriser le truc, hein, faut vraiment le comprendre. Ensuite, on a la phase 5, qui est la phase repos et accusation, c'est-à-dire qu'on remet tous les personnages dans la salle de repos, et il y a un système d'accusation dont on vous parlera ensuite, puisqu'il rentre dans le système de jeu. Ensuite, si on a la possibilité de faire des analyses, soit on utilise une poche et auquel cas on analyse le gars qui est le plus haut, le personnage qui est le plus haut dans la piste de suspicion, soit on a le lance-flamme et on choisit qui on veut analyser. Voilà, c'est tout bénef. Ensuite, on a toujours la fameuse phase de repas, hein, c'est un des comptes à rebours du jeu, d'accord. Et enfin, à la fin, on déplace les chiens et on fait le changement de leader s'il y a lieu. Hein. Je répète que si le jeton n'a pas été capté pendant le round, déjà on le remet ailleurs, puisque comme les chiens, mais c'est le même leader qui reste. Voilà. Du coup, pour préparer le jeu, il faut tout d'abord utiliser la pochette qui est destinée normalement aux rencontres avec les chiens pour la coop. Tu peux me la passer, s'il te plaît. C'est ça. Je crois que c'est ça. Ouais. Dedans, vous mettez 8 jetons, dont un qui est l'infecté. Alors, je vais vous montrer la différence, quand même, parce qu'on n'avait pas fait la dernière fois. Hop. Voilà. Donc 7 jetons comme celui-là, vous voyez, qui indique une tête de toutou, plus un huitième qui indique bien entendu la menace alien. Voilà. Chaque joueur va tirer un jeton, secrètement, va en prendre connaissance, et chaque joueur, par rapport à sa couleur, vous voyez qu'ils ont du matériel en rapport avec leur couleur, chaque joueur va mettre par-dessus, donc face cachée bien entendu, ce qu'il a tiré dans ce résultat. C'est-à-dire que, vu qu'il n'y a qu'un jeton infecté, il n'y aura qu'un alien parmi les 8 au début de la partie, je précise, au début de la partie. Hein. Et donc, si c'est un humain, il mettra sa carte humain au-dessus comme ça. Si c'est un alien, il mettra la chose au-dessus comme ça. Et il posera ici à côté. Ok ? Ces deux cartes-là sont utilisées tout le long de la partie parce que le mode multijoueur est un vrai mode multijoueur. Il y a une véritable interactivité entre les joueurs en permanence. Et c'est ce qui crée justement, ce qui recrée un petit peu ce climat qu'on peut retrouver dans le film finalement. Donc, comme je le disais, on part du leader. Ensuite, c'est chaque joueur à la gauche, hein, puisque c'est dans le sens horaire que ça se passe. Au début, est-ce que tu peux me passer le paquet de cartes là ? Bien sûr.
Alors, j'ai oublié de le préciser, mais mon fiston, une fois de plus, m'accompagne et m'assiste pour vous expliquer les règles. Toujours. Vous avez ce paquet de cartes. Ce paquet de cartes va remplacer les dés et va faire office d'action. Vous avez bien entendu trois cartes différentes. Vous avez utilisé ce qu'on retrouvait sur les dés. Vous avez réparé, idem, ce qu'on retrouvait sur les dés. Et vous avez saboté. Il n'y a pas de menace alien ici. Hein. La menace alien est présente et elle est dans l'interactivité qu'il y a entre les joueurs. C'est ce qu'on va vous expliquer. Donc, le paquet est mélangé, je crois. Ah oui, il a été. Ouais. Hop. Chaque joueur va piocher deux cartes action pour le début de la partie. Il faut savoir que chaque joueur ne peut avoir une main que de trois cartes action maximum. Voilà. Donc, on va mettre deux cartes par joueur, puisque c'est une démo, je le rappelle, pour expliquer les règles. Et voilà. Donc, on va reprendre les phases l'une après l'autre, en imaginant qu'on ait fait la météo, ensuite on a fait la maintenance, etc. L'alien n'est pas encore déclaré, puisqu'il y a toujours cette histoire d'alien déclaré ou non. Et vous avez ensuite les actions personnages. Et là, les actions personnages, il faut bien saisir ce que c'est. Donc, la pioche vient ici, dans les sanitaires. Pourquoi pas ? Et du coup, le leader va prendre ça. Voilà. Ça, c'est au début de partie. Mais ensuite, quand on arrive dans cette phase numéro 4, au début de cette phase, on repioche un nombre de cartes pour compléter notre main. Vous voyez ? En gros, comme je vous l'expliquais, on ne peut pas avoir plus de 3 cartes et pas plus de 2 si on est affamé. C'est-à-dire s'il n'y a plus rien, s'il n'y a plus de réserve dans le cellier. Voilà. Au moment de manger. C'est le moment de retirer le repas. Bah en fait, si au round d'avant, tu n'as plus du tout de trucs, tu sais très bien qu'au tour d'après, phase 4, tu pourras piocher que 2 cartes maximum. Voilà. Oui, de toute manière, ça pourrait voilà, être fait sur le prochain. C'est ça. Il faut savoir aussi qu'en fait, chaque joueur est obligé de mettre une carte dans la pile à chaque round. C'est une obligation. Voilà. Par contre, vous avez trois manières de le faire, ce qu'on va vous expliquer. Donc, au début de cette phase 4, chaque joueur va piocher un nombre de cartes pour compléter sa main à hauteur de 3 maximum. Voilà. Donc, chaque joueur va piocher une carte. On va le refaire. Hop. 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 Donc chaque joueur a repioché une carte et chaque joueur a une main de 3 cartes action maximum. Voilà. Ensuite, le leader va prendre la première carte de la pioche qui reste et la positionner ici, face cachée. Ensuite, il y a le déplacement des personnages. Et le déplacement des personnages induit également de poser une carte action. Donc, pour rappel, au niveau du code couleur, les cartes qui les pièces qui font que la mécanique du jeu existe sont les pièces vertes, mais on a également la pièce bleue ici qui apporte, qui confère uniquement un bonus au joueur qui va à l'intérieur. Il y a fort à parier que ce fameux dortoir voit beaucoup de joueurs en multijoueur, puisque si on a des cartes action qui ne nous plaisent pas, qu'on joue la chose d'ailleurs, ou les humains, voilà, on sera là. Par contre, il faut aussi se mettre en tête une chose. Les humains jouent contre la chose. La chose n'est pas une entité. La chose est plusieurs entités. D'accord ? Donc, vous pouvez vous retrouver en cours de partie avec plusieurs joueurs qui sont la chose et qui devront se concerter en permanence et jouer ensemble, que ce soit pour disperser les forces, etc. etc., etc. Donc, en fait, c'est un petit peu complexe à saisir comme principe, mais c'est comme ça que ça doit se passer. Voilà. Du coup, j'en étais où ? Là, maintenant, on est sur le déplacement de personnage. Alors, en imaginant que je vais déplacer Knowles, le joueur Knowles se déplace dans la cuisine. D'accord ? Donc, comme je vous l'ai expliqué au début de la partie, il n'y a qu'un joueur qui est la chose. D'accord ? Nous, on a décidé que ce serait Clark. On n'a pas fait le tirage, hein, parce que c'est pour vous montrer. Normalement, c'est au tirage que ça se fait, comme je vous l'ai expliqué. Mais là, en l'occurrence, nous, on sait que c'est Clark. Voilà. Parce que... Donc, Knowles n'est pas la chose. Donc, il va avoir trois cartes ici. Donc, il n'a aucun intérêt à saboter. Hein, clairement, lui va choisir de mettre dans la pile, par exemple, un réparé. Voilà, tout simplement. Par exemple, Windows, lui, choisit d'aller dans le dortoir. D'accord ? Windows, on sait, dès le début de la partie, nous, hein, que c'est pas l'alien. Les autres joueurs ne sont pas censés le savoir. Hein. Tout le monde se méfie de tout le monde. Je dois bien le rappeler, c'est ce genre d'ambiance.
Donc Windows, lui, ses cartes lui plaisent pas. On ne sait pas pourquoi, mais lui plaisent pas. Pourtant, il a un bel assortiment. Mais bref, en imaginant qu'il ait eu 3 sabotés, par exemple, parce que ce n'est pas la chose, d'accord ? Mais qu'il ait eu 3 sabotés, qu'est-ce qu'il aurait fait, Windows ? Il les aurait mises là, dans la défausse, voilà. Et il aurait pris le paquet, là, puisqu'il est dans le dortoir. Et il choisit soigneusement les cartes qu'il va prendre. Et il va prendre 2 réparés, parce que lui, sa spécialité, c'est la réparation, et 1 utilisé. Et bien entendu, il va se les attribuer, comme ceci, et remélanger la pioche. Donc là, ce que je suis en train de vous montrer, ce sont les 3 possibilités hein, qu'on peut avoir. Une fois que Windows s'est attribué la carte, il ne va pas, bien entendu, oublier de mettre une des cartes dans la pioche du leader, comme ceci. Par exemple, Bennings, hein, qui va aller dans la station météo, puisque lui aussi n'est pas un allié. Bennings, lui aussi, tiens, il est là. Alors, Bennings, lui aussi, c'est à croire que c'est fait exprès, hein, ils ont tous un assortiment terrible. En fait, Bennings, en imaginant que Bennings aussi ait, par exemple, 2 sabotés et 1 réparé, hein, ce qui lui sert strictement à rien. Parce que, dans l'attribution des actions, on compte bien quand même à récupérer un petit peu ce qu'on a donné, quelque part. Donc en imaginant que Bennings est un réparé et 2 sabotés, ça ne lui plaît pas. Il ne peut rien faire avec ça. Donc qu'est-ce qu'il va faire Bennings? Il arrive dans la salle verte et lui il va se défausser de sa main complètement. Comme ceci. Et il va prendre une carte, celle au-dessus de la pioche, à l'aveugle. Il va la regarder et manque de bol, c'est saboté. Et voilà, tant pis. Mais il va être obligé de la mettre là. Donc quand on vous disait tout à l'heure que chaque joueur doit piocher une carte de façon à en avoir 3 maximum dans sa main, ça concerne surtout ce genre de pratique où vous vous retrouvez avec 0 carte. C'est-à-dire que la plupart des joueurs, eux, qui ont joué une carte sur leurs 3 cartes, vont piocher une carte. Par contre, le joueur qui a fait cette manip-là, lui, il va piocher forcément 3 cartes, puisqu'il n'aura plus rien. Et donc, etc., idem pour chaque joueur. Par exemple, ici, on a qui? Comment il s'appelle? Norris, je crois. Hein. Ouais. Norris, on va l'envoyer au hangar, parce qu'il aime bien le hangar, Norris. Et comme ce n'est pas un alien, lui, il va mettre un utilisé. Voilà. Ensuite, Clark. Clark, on va le mettre avec quelqu'un, pas tout seul. Bah Clark, on ne sait pas. On ne sait pas. Oui, je sais, mais pour les rencontres. Clark, lui, il décide d'aller dans la remise. Bizarre, déjà. Et Clark, il est où son set de jeu? Et Clark, il a 2 sabotés et 1 réparé. Vous voyez, la config géniale pour l'alien. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire, Clark? Vu que c'est l'alien, normalement, il va mettre un saboté. On ne pas confondre avec le chameau. Tiens. Ah ouais. Ensuite, on a MacReady. Alors, MacReady, il va aller dans l'armurerie. Et il est où, MacReady? MacReady, il va... MacReady, on voit que c'est le feuché. Hein. 3 utilisés. MacReady, il va mettre sa carte là. Tiens. Il nous reste qui? On a Gary. Donc, Gary, il va accompagner le docteur. Ici pour aller. On va prendre le docteur qu'on va mettre là. Et Gary, lui, il est un peu flippé. Il se dit qu'il vaut mieux commencer à réparer là-bas, alors il va aller là-bas. Alors, il faut savoir quand même une chose, c'est que là, on fait quelque chose d'assez aléatoire. Mais normalement, pendant tout le jeu, les gens sont censés se concerter sur ce qu'ils vont faire. Hein, vous voyez? Parce qu'on va être confronté à de plus en plus de problèmes, de plus en plus de rencontres, et du coup. On est censé se concerter. Nous, on fait un petit peu ça à l'aveugle pour vous montrer comment ça se passe. Bref, MacReady, il a donné. Qui c'est qui a pas donné là? Le Blair. Rouge, le vert. Blair et Gary. Tu veux Gary, il a une bonne main d'ailleurs. Bon, Blair, lui, il a une main comme ça, mais il sait qu'il a 2 sabotés, mais il va quand même garder son utilisé et garder ses 2 cartes pourries. Ouais, Gary, il les utilise à réparer, donc... Et Gary, vu qu'il est parti réparer, il va mettre un réparé, lui, parce qu'en fait, il suit un petit peu cette logique-là, même si on sait très bien qu'à l'arrivée, ça se trouve, le leader en décidera autrement, puisque le leader a le dernier mot. Hein. Exactement. Malgré qu'il faut quand même se concerter pour y arriver dans le jeu. Donc voilà pour cette phase. Savoir quand même que si l'alien a été dévoilé au round d'avant, ça se passe comme le mode coop, hein, sauf que c'est l'alien qui choisit comment il répartit ses forces, ça c'est trop fort. Donc déjà, quand l'alien est dévoilé, il faut savoir une chose, c'est que sa force de base
correspond à la moitié du nombre de joueurs arrondis à l'inférieur qu'il y a sur le plateau. Donc là, par exemple, 8. Si on avait eu un alien dévoilé au round précédent, il serait de force 4. Mais lui-même décide de comment il répartit ses forces. Ça peut très bien être 4 fois 1. Auquel cas, en fonction du nombre de forces qu'il répartit, il choisit un nombre de cartes lieux qu'il va mettre face cachée devant lui, comme on faisait nous en coop, hein, et le nombre de forces dessus. Voilà. Et il faut savoir que c'est après cette phase-là que, s'il y a un alien dévoilé, c'est après cette phase-là qu'il retourne les cartes pour savoir quels sont les lieux attaqués. Puisque après, on va résoudre les rencontres. Comment ça se passe, les rencontres? On va d'abord parler de l'alien, puisqu'on y est, puisque c'est plus simple. L'alien, lorsqu'il est dans une pièce, il a le choix. C'est lui qui choisit aussi. Il fait ce qu'il veut. Soit il assimile un être humain, s'il en a la force. Je rappelle que chaque personnage est de force 1, mais peut, pas augmenter sa force, mais baisser celle de l'alien grâce à des armes. Voilà. Mais il peut soit assimiler un humain, soit assimiler un chien, auquel cas le chien ne se défendra pas, mais il dégagera du plateau de jeu le chien, mais du coup l'alien gagnera en force 1. Pareil, si l'alien réussit à assimiler un humain, il gagne en force 1 en supplémentaire. C'est un stock de force qu'il mettra de côté pour le prochain round. Voilà. Et il peut également saboter, en général c'est ce qui arrive quand il est dans une salle où il se passe rien. Voilà. Donc le référentiel des pièces se trouve également dans le livret de règles pour savoir comment on fait pour saboter. En général, c'est toujours quelque chose qui a trait à la force de la présence alien puis, dans la salle. Voilà. Donc ça, c'est pour les rencontres pour l'alien et l'alien. Il faut savoir une chose, c'est que quand il rencontre un être humain, soit il est de force supérieure, il l'assimile, soit il est de force égale et il se passe absolument rien, l'alien reprend ses forces pour le prochain round et l'humain est couché sans faire ses actions, soit l'humain, lui, est en force supérieure, c'est-à-dire qu'il sera plusieurs dans la salle, normalement, c'est comme ça que ça se passe, et auquel cas, ces forces aliens-là, elles dégagent. Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça, finalement, mais il faut juste le garder en tête. Donc, maintenant, on va parler de comment ça se passe entre humains. Donc pour l'exemple, en imaginant que on ait mis Windows en compagnie de Knowles hein, pour s'occuper de la nourriture. Donc voilà. Donc ces deux gars sont dans la même pièce. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Sur le matos de base, vous avez 3 jetons, comme ceci, à la couleur de chaque personnage. Voilà. Tout doit se passer secrètement. Les joueurs qui se rencontrent doivent également se munir de leur carte rôle. La carte rôle, je précise, c'est celle qui vous indique si vous êtes humain ou alien. Histoire qu'il n'y ait pas d'équivoque ou n'y ait pas d'indice détectable par les autres joueurs. Donc tout doit se passer de façon secrète. Donc, qu'est-ce qui se passe? En imaginant que, Knowles ait été infecté auparavant et qu'il soit devenu un alien, d'accord? Knowles a le choix. Soit il va mettre 2 jetons humains, vous voyez, puisque c'est marqué là, c'est au dos, d'accord? Qu'il va les placer devant lui. Auquel cas, il ne voudra pas être détecté, auquel cas, il ne voudra pas être révélé en tant qu'alien, d'accord? Même si lui, il sait que c'en est un. Et Windows, lui, qui est un être humain, lui, par contre, il n'a pas le choix. Hein, il doit mettre les 2 humains, ok? Voilà. Par contre, si Knowles veut secrètement infecter Windows, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas mettre 2 humains. Il va mettre 1 alien ici. Donc, chaque joueur va retourner au choix 1 jeton de l'adversaire. Donc, Knowles ne va pas avoir beaucoup de risques. Hein. Il va le regarder secrètement. Il sait que Windows est un humain. Windows, lui, par contre, il risque beaucoup, mais il ne le sait pas encore. Donc il va retourner un jeton et là il s'aperçoit que c'est un alien, donc là il ne devra rien montrer aux autres, hein. Absolument rien, vu que les joueurs seront avec leur carte rôle avec eux, il devra remettre dans l'ordre, c'est à dire avec la carte maintenant alien par dessus, voilà, puisqu'il n'est pas encore un alien révélé, ça faut le savoir. Donc c'est comme ça que ça se passe, et il faut savoir aussi que à partir du moment où on prend la décision ou pas d'ailleurs, hein,
C'est-à-dire à partir du moment où on prend connaissance d'un jeton, qu'il soit humain ou alien, là, on grimpe d'un cran sur la piste de suspicion. Voilà. Donc en gros, là, on sait que Knowles et Windows, déjà, ils grimpent d'une case sur la piste de suspicion. Voilà. Et il se serait passé exactement la même chose si on avait eu un troisième joueur ici. Vous voyez. Ou là, pareil, hein, pour le Dr Blair, on aurait mis deux jetons rouges. Et en fait, là, chaque joueur choisit à qui il va regarder. C'est-à-dire, là, par exemple, Windows, il va choisir s'il regarde ou Blair ou Knowles. Pareil, Knowles va choisir de regarder un jeton soit de Windows, soit de Blair. Et Blair va choisir soit Knowles, soit Windows. Voilà, d'accord. Mais on ne peut pas faire regarder les pions, les jetons de tout le monde. Donc voilà à quoi servent ces jetons. Et effectivement, si on part au début de la partie avec un seul alien, eh ben on se retrouve très rapidement infecté si malheureusement on rencontre la mauvaise personne à chaque fois. Au niveau des rencontres, hein, toujours petite précision par rapport au chien. Donc on a toujours ce système pareil que la coop, c'est-à-dire que s'il y a deux gars dans la même pièce qu'un chien, bah, il est remis dans le chenil. Par contre, si on a une rencontre avec un seul personnage, un chien, on utilise la fameuse poche d'infection chien, hein, comme dans le mode coop. Là, le joueur regarde, donc s'il est humain, bah, tout se passe bien. Par contre, s'il est infecté, il ne doit rien faire paraître, prendre ses deux cartes au rôle et bien sûr mettre au-dessus celle qui... le rôle qu'il tient au moment, à l'instant T. Voilà. Excusez-moi, un petit peu de mal à parler. Et donc, chose très importante pour terminer, que je répète, hein, j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est vos cartes au rôle, donc les deux cartes qui vous sont assignées, soit humains, soit aliens. Lorsque vous savez que vous allez résoudre une rencontre, vous les prenez avec vous en permanence, c'est les deux cartes, hein, pour pouvoir justement modifier le rôle sans que personne s'en aperçoive. Ça, c'est très important, ça fait partie de la mécanique du jeu. Hein. Et ça permet aussi de maintenir les choses secrètes, parce qu'effectivement, si les secrets sont dévoilés dans le jeu, ça n'a plus absolument aucun intérêt. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Eh ben, ensuite, on va pouvoir enfin résoudre les actions. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Eh bien, le leader va prendre le paquet de cartes, hein, qui a été formé par chacune des cartes actions de chaque joueur. Voilà. Donc, il va mélanger les cartes actions. Voilà. Et on va le poser comme ça et piocher la première. Et c'est à partir de là, en fait, que normalement les joueurs doivent se consulter, mais le leader a toujours le dernier mot. Hein. Je rappelle que le leader peut être également l'alien. Première carte, saboter. Ça commence bien. Et donc là, à partir de là, en fait, on se concerte, on voit à qui on va attribuer la carte saboter. Donc là, de ce que je vois moi, par exemple, je me dis que ça serait peut-être bien que la carte saboter aille à lui. Vous voyez ? Parce qu'au final, on ne peut pas saboter plus que ce qu'il est. Voilà. Donc du coup, je ne me rappelle jamais de son nom, lui. Lui, on lui attribue la carte saboter parce que quelque part, eh ben, ça pourra pas l'être plus. Ensuite, deuxième carte. Utiliser. Alors, utiliser, si on est stratégique, on va l'attribuer à Bennings. Voilà, ce qui permettra à Bennings, hein, justement, de pouvoir gérer la météo, hein, stratégiquement parlant, on l'avait vu pendant le mode coop, c'était quelque chose quand même de super important. Et dernière chose, tout comme le mode coop avec les jeux de dés, ici avec les cartes, le leader, en concertation avec l'équipe normalement, peut choisir d'arrêter à tout moment de tirer les cartes pour faire des actions, s'il s'aperçoit qu'effectivement c'est plus la banqueroute qu'autre chose. Donc, une fois qu'on a résolu, on peut le dire aussi. Toutes ces cartes-là sont défaussées. Voilà. Une fois, bien entendu, que la pioche, la dernière carte de la pioche a été tirée, on reprend la défausse qu'on mélange et qu'on remet en guise de pioche. Maintenant qu'on a géré les actions des personnages, on retourne à la salle de repos. Donc on va mettre tous les personnages ici. Et à partir de là, les joueurs auront le droit d'accuser quelqu'un. Donc, ça se passe en vote, en fait. Si des joueurs ont constaté le comportement étrange ou des choses qu'ont fait un autre joueur pendant ce round de bizarre, ils peuvent le soupçonner, donc ils peuvent l'accuser aussi d'être la chose. Ça ne doit pas être systématique, en vérité, mais ça peut aussi permettre stratégiquement à la chose de se débarrasser peut-être d'autres personnes. Donc, c'est à double tranchant. La personne qui ne souhaite pas voter doit garder les bras croisés. Par contre, la personne qui voudra voter, elle, par contre, elle désignera du doigt la personne
qu'elle accuse. Et une fois que le leader aura compté jusqu'à 3, c'est-à-dire qu'en fait, le leader compte jusqu'à 3, normalement il n'y a pas de concertation hein, sur les accusations, et chacun va pointer du doigt la personne qui l'accuse. Et en fait, au nombre de doigts d'accusation par joueur, on va avancer du nombre équivalent de cases sur la piste de suspicion. Donc ça, c'est un truc qu'il y a aussi en plus par rapport à la coop, mais c'est aussi l'interactivité, et c'est ce qui va générer aussi de la méfiance. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait cette phase, il y a bien entendu, en plus de ça, les tests. Donc, ceux qui ont pioché des tests, parce qu'effectivement, Blair a toujours la possibilité de piocher deux tests, mais n'importe quel joueur peut y aller pour aller chercher des poches de sang. Et la différence ici, c'est qu'on ne se sert pas de la défausse ici, on garde les tests avec soi. Donc personne ne sait si on a des tests viables ou pas viables sur soi. Et arrivé à la phase de test, on peut décider de tester quelqu'un. Donc ça se passe toujours de la même manière, ça n'a pas changé. On teste toujours celui qui est le plus haut sur la piste de suspicion. Par contre, celui qui a le lance-flamme et le fil, lui, il peut choisir qui il veut tester comme il veut. Voilà. Donc voilà pour ces phases-là. Donc, ces phases-là ne sont pas trop compliquées. Ensuite, on a le repas. Donc le repas, bah, c'est idem pareil que pour la coop. Hein. Si on a ici une ou deux qui sont dans la cuisine, on les défausse. Si on n'a rien dans la cuisine, on défausse quatre. Voilà, ça n'a pas changé. Et enfin, on fait le déplacement des chiens et le changement de leader s'il y a lieu. C'est-à-dire que je vous expliquais au début comment ça se passait pour marquer, pour mettre le jeton dans une des salles, c'est-à-dire qu'on pioche une carte lieu après avoir fait le système des chiens. Donc, imaginons qu'elle est ici, un joueur peut très bien se précipiter pour aller choper le jeton leader et devenir le leader du prochain round. Et ça, c'est pareil. On n'est pas à l'abri non plus que le leader soit l'alien pendant un tour et qu'il fasse n'importe quoi. Et oui. Et auquel cas, il peut aussi devenir suspect à la fois sur le round d'après. En tout cas, voilà comment se passe un tour en multijoueur. Je pense que je n'ai rien oublié. Donc pour rappel, les cas où on grimpe sur la piste de suspicion sont premièrement les rencontres avec d'autres joueurs. Donc à partir du moment où on regarde des jetons d'autres joueurs, on grimpe d'une case sur la piste de suspicion. Également, quand on rencontre un chien seul, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a tiré dans le sachet vert un jeton, on grimpe également d'une case sur la piste de suspicion. Et ensuite, les accusations, en fonction du nombre de gens qui vous montrent du doigt, en fait, vous grimpez d'autant de cases sur la piste de suspicion. Voilà. Alors, petit détail que j'ai oublié, pour les joueurs qui possèdent les armes dynamite, molotov ou lance-flamme, ils peuvent le mettre le feu à une pièce, mais ils peuvent ne le faire que juste avant que le leader ait mélangé la pile d'actions, avant de les attribuer. Voilà, c'est juste à ce moment-là qu'ils peuvent le faire. Hein. Autre chose, toujours pareil, quand une salle est brûlée, on n'y a plus accès. Voilà. Et pareil, on a le même système que quand une salle brûle, et ben si la chaudière était morte, on fait redescendre le curseur, ce qui nous donne encore un répit. Pour finir, on va vous parler de la procédure d'évasion, hein, ce qu'on n'avait pas pu faire nous pendant notre partie, puisqu'on n'avait pas les clés. Concernant la procédure d'évasion, c'est un petit peu complexe. À savoir que quand on est en multijoueur, c'est le joueur le plus bas sur la piste de suspicion qui peut décider de déclencher la procédure d'évasion. Donc il y a trois façons de s'évader. Il y a l'hélicoptère de secours, il y a l'hélicoptère tout court, celui où il faut les clés, et le snowcat. Donc premièrement, pour l'hélicoptère de secours, le joueur peut simplement décider, donc celui qui est le plus bas sur la piste de suspicion, et où en cas d'égalité, bah, vu qu'on est dans le sens horaire, c'est le premier joueur à jouer, ça peut être lui qui décide de déclencher la procédure d'évasion. Auquel cas, on déclenche un round justement d'évacuation, et à ce moment-là, il décide de monter dans l'hélicoptère. Normalement, s'il décide de déclencher la procédure, c'est pour monter dans l'hélicoptère, soyons clairs. il dévoile sa carte. Si c'est un alien, la partie s'arrête, les aliens ont gagné. Par contre, si c'est un humain, c'est le premier joueur à monter, il monte. Voilà. Du coup, après, on fait un deuxième round. Pareil, le joueur le plus bas sur la piste de suspicion va décider déjà s'il monte à bord ou pas. S'il ne monte pas à bord, et ben, on passe au suivant, etc., etc. Jusqu'à ce que tout le monde soit à bord et que tout le monde ait décidé soit de rester au sol. Ensuite, soit donc l'hélicoptère part, on dévoile les cartes au rôle et il n'y a que des humains. Et
il ne reste plus d'humains sur la base, auquel cas les humains gagnent. Si de nouveau il y a un alien dans l'hélicoptère, l'alien gagne. Et si parmi les personnes qui sont restées au sol, idem, il reste des humains, parce qu'on peut aussi, ceux qui sont dans l'hélicoptère peuvent aussi décider de ne pas laisser monter quelqu'un. C'est-à-dire que dans un round, la personne dit « moi je veux monter », et après, les autres qui sont dans l'hélicoptère peuvent voter pour savoir s'ils montent ou pas. D'accord ? Après, c'est voix contre voix. Hein, voilà. En égalité, je pense que le leader doit trancher. Ce n'est pas indiqué, mais je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il y a une subtilité aussi quand il ne s'agit pas de l'hélicoptère de secours, à savoir que là, c'est la procédure hein, globale pour le multijoueur. Quand il s'agit de l'hélicoptère normal ou du Snowcat, il faut tout d'abord que le joueur se voit assigné. Déjà, il faut qu'il ait les clés. Hein. Il faut qu'il soit au plus bas sur la piste de suspicion, mais il faut aussi qu'il se voit assigner une carte action pour pouvoir jouer ses clés, et donc mettre en route la machine et dire « je déclenche la procédure d'évasion, je suis dans le véhicule, je vous montre ma carte rôle. » D'accord ? Voilà. Le truc, c'est la grosse différence qu'il y a, c'est avec le mode coop. C'est-à-dire que dès qu'il y a des joueurs qui se rendent sur un lieu pour évacuer, c'est-à-dire que ce soit l'hélicoptère de secours ou le Snowcat ou l'hélicoptère normal, toutes les forces aliens arrivent sur cette case, je dis bien toutes les forces aliens arrivent sur cette case, et doivent jeter autant de dés que leurs forces. Voilà. Si dans ce résultat, pardon, il y a au moins 3 sabotés ou 3 menaces ou un mélange des 3, enfin un mélange des 2 sur les 3 résultats de dés, donc s'il y a au moins 3 résultats de dés, que ce soit de l'un ou de l'autre, la procédure elle est interrompue. Voilà, il faudra recommencer. Donc il y a deux cas de figure à l'arrivée. Soit effectivement donc la procédure est interrompue, auquel cas bah, tous les personnages retournent dans la salle de repos. Soit effectivement bah, l'alien n'est pas assez fort ou n'a pas tiré le nombre de dés suffisant pour bloquer la procédure. Et dans ce cas-là, les humains s'évadent. Donc c'est plus simple et plus complexe en même temps parce qu'en fait, ça, au final, si on réfléchit bien, ça oblige un petit peu en mode coop aller quand même à la confrontation avec l'alien pour l'affaiblir. Hein, parce que vu qu'il faut jeter autant de dés actions que son nombre de points de force total, il a beaucoup plus de chances, plus l'effort, de jeter plus de dés et donc d'avoir le résultat menace et saboté. Voilà. Bah écoutez, c'est terminé pour cette explication de règles multijoueurs. On espère avoir bien fait le job. On espère que vous avez bien compris les règles. On espère aussi ne rien avoir oublié. On remarque vraiment immédiatement la grosse différence par rapport au mode coop, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'interactivité, énormément de choses à garder secrètes, hein, donc du poker face à mort. Puis il y a du matos pour ça, pour rester toujours voilà, le plus caché possible. Après voilà, dès que l'alien est dévoilé, bah, la force alien est présente dans la base, donc ça peut être 1, 2, 3, 4 joueurs. La chose à savoir quand même, c'est que lorsqu'un joueur, après une rencontre avec un alien, meurt alors qu'il était humain sur sa carte, il continue à titre posthume à être humain avec l'équipe des humains. Hein. Ça, il faut le savoir. C'est important, mine de rien. Alors que par contre, si un alien se fait assimiler par un autre alien, lui, l'autre bascule dans le camp alien. Hein, voilà. Mais c'est un moment, en fait, où, de toute façon, quel que soit l'humain qui est assimilé, de toute façon ça rapporte toujours un point de force à l'alien. Voilà. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit. En fait l'esprit c'est effectivement, au départ l'alien il part tout seul, hein, il n'y a qu'un joueur qui sait que c'est l'alien. Au fur et à mesure en fait il s'étend, il contamine, donc en fait il gagne d'autres joueurs à sa cause et puis après il se déclare. Donc en fait on a une espèce de partie des joueurs qui va se concerter pour essayer d'avoir les humains. Et vous allez avoir les parties humains qui eux, ne vont faire confiance à personne. Et en fait, on va se retrouver vraiment dans l'esprit qu'on peut avoir dans le film. Et ça, c'est juste trop bien reproduit, quoi. Donc j'espère à l'occasion qu'on pourra peut-être tester une partie multijoueur au moins à 4. Si Gildas et Guillaume sont partants, peut-être, pourquoi pas, on pourra peut-être tester à 4. À mon avis, à 4, c'est pas grandiloquent, mais en tout cas, ça pourrait nous donner une idée de comment on peut jouer. Voilà, voilà.
Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires, dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist The Thing. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien, à la prochaine. Allez, bye bye. Bye bye.